Et coucou les copinous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Une nouvelle semaine commence. Ça y est, on est lundi, dernier jour du mois. Écoutez, il est 7h presque 10 et ben, on est tous prêts. Les loulous ont déjeuné, tout ça. Moi, je me suis occupée un petit peu du linge parce que ben, du coup, j'étais à jour. Hier, j'ai réussi à me mettre vraiment à jour. Donc voilà, aujourd'hui le chéri est de retour, il revient dans la journée avec la voiture et ça c'est trop cool. Je vais ranger ma petite vaisselle que j'avais laissée sécher hier soir, j'avais la flemme de l'essuyer tout simplement. Et après bah, je vais amener Maëlys et quand je reviens, hop, j'attaque le ménage et voilà. Au niveau linge, je suis à jour et tout, donc j'ai rien de trop fou à faire aujourd'hui à ce niveau-là. Je vais essayer de bosser un max parce que, bah, dernier jour du mois, donc qui dit dernier jour du mois, dit la folie, que ce soit voilà, sur les groupes, sur les tout ça. Doucement, Félix. Je sais pas, mon cœur, c'est toi qui t'en sers, donc je ne sais pas. Je vais essayer de vachement bosser en interne de mon côté. Et voilà, rien de fou, j'ai pas encore déjeuné, j'ai pas faim. Et étant donné que je travaille beaucoup là-dessus sur le fait de m'écouter, pas manger pour manger, et que depuis que j'ai vu mon énergéticienne la semaine dernière, ma sophrologue, tout ça, on a mis des choses en place, c'est-à-dire que j'ai des bouteilles d'eau de partout dans ma maison par exemple, et il faut que je boive 1,5 litre, voire 2 litres par jour. Chose que je fais. Il n'y a pas un jour où j'ai bu moins de 2 litres. Et, ben écoutez, j'ai la soif qui revient petit à petit. Donc, du coup que j'ai soif, je bois plus. Et de ce fait, à mon avis, ils avaient tous raison. Je n'en doutais que peu, mais là, j'ai la confirmation. En fait, mon corps ne savait plus détecter la fin de la soif. Donc, en fait, vu que je buvais des fois même pas un verre d'eau par jour, oui, on en était là. Ben en fait du coup dès que je ressentais un truc, pour moi c'était de la faim, donc je bouffais aussi, alors que non, c'était simplement mon corps qui avait soif et je ne savais plus faire la différence. Donc le fait de boire, écoutez, en tout cas ça fonctionne grave parce que je retrouve cette sensation de soif, vous savez, dans la bouche, genre là je vous parle, j'ai soif, je le sens, donc je vais boire après, mais je n'avais plus tout ça. Donc, je suis contente, je suis très contente, because ça fait bien marcher tout ce qui est urinaire et tout, il n'y a pas de souci, je passe ma vie à pisser. J'ai l'impression de me transformer en flaque d'eau. Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, donc je continue tout ça. Je vais faire une catastrophe. Oh, j'ai failli tout lâcher. C'est un petit peu lourd pour ma main. Je continue donc mon combat contre moi-même, on va dire. Et on va y arriver, quoi. Ce week-end, on a eu ma sœur qui est venue hier midi manger avec la cassoulette. Et l'après-midi, on était invité chez la petite voisine qui faisait les 3 ans de son loulou. On a passé une super après-midi. C'était le feu. Les enfants se sont régalés. On est rentrés. Il était presque 7h moins le quart. Bon, c'est juste à côté, vous me direz. Mais le repas était prêt et tout, vu qu'ils ont fini les restes. Et encore, les deux grandes, elles n'ont même pas mangé tellement qu'elles n'en pouvaient plus parce qu'ils ont passé leur après-midi. Enfin, je ne parlais pas parce qu'elle a travaillé. Mais les autres, ça me passait l'après-midi concrètement à bouffer. Donc du coup, elles n'ont même pas mangé. Moi, c'était même pas la peine de me parler de manger. Pourtant, j'ai pas mangé plus que ça. J'ai mangé un bout de gâteau et deux petites conneries. Mais du coup, j'ai plus autant cette sensation de soif. Vraiment, j'ai de faim. Donc bref, en tout cas, on fera le point là-dessus un petit peu plus tard. Niveau poids, etc. Est-ce que ça joue dessus ou pas? En tout cas, je me sens dégonflée, moi. C'est déjà pas mal. Et en plus, là, il y a la mauvaise zone qui est imminente, donc comment vous dire que on se pèsera plus tard. Voilà, j'ai plus envie de faire une fixette sur ma balance. Je vais essayer de me fier un petit peu à mes ressentis dans mon corps et à mes fringues aussi. Voilà, parce que passer un moment, c'est tous les jours que je me pèse, quoi. Tous les matins, je me lève, je me pèse, tous les soirs, même des fois avant d'aller me coucher, je me pèse. Psychopathe attitude. Donc on va essayer de se lâcher un petit peu au niveau de ce poids là et se foutre la paix, hein. Et on verra ce que ça donnera. Voilà, bref. Je ne sais plus ce que j'allais dire, donc je vous laisse. Je vais faire ce que j'ai à faire, puis je vous reprendrai une fois que tout ça se sera fait.
maintenant du coup les amis, je sais pas quelle heure il est exactement, autour de 10h, entre 10h et 10h30 je pense. Et je reviens de Netto. Et voilà, le ménage est fait, ça y est, c'est fini, tout est nickel. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre d'aller récupérer Myron à midi, parce qu'il finit à midi, à sa prof de l'après-midi qui n'est pas là. Et voilà, que Charlie se réveille tranquillou. Elle est là en week-end, donc elle profite de dodo et tout ça. Et puis voilà, mon petit homme arrivera fin de journée seulement. Parce que là, il décollait, à 10h, il décollait. Et puis voilà, du coup, je profite du beau soleil pour faire un petit tour, ça fait du bien. Je suis allée à pied et tout. Voilà, ça commence à tirer un petit peu dans les jambes, parce que j'ai enchaîné direct avec le ménage, mais je me suis dit pendant que je suis chaude, justement. Voilà. De nouveau dehors, je vais récupérer Myron. J'ai quand même mis ma veste parce qu'il y a un tout petit quart qui est un peu frisqué quand même et je suis trop frileuse de toute façon. donc oh purée, ça a bien avancé là. Ils sont en train de construire une maison de retraite ou je sais pas trop quoi. Bref, je me dépêche. J'ai fait de la paperasse, je me suis occupée de prendre mon rendez-vous pour l'IRM, tout ça. Bon, j'ai le temps, du coup c'est au mois de juin, autant vous dire qu'il y a un monde entre le rendez-vous et là, mais bon, au moins c'est fait. Ils m'ont envoyé tous les papiers, tous les trucs à remplir, donc j'ai tout rempli. J'ai plus qu'à aller chercher des trucs de lavement, d'injection, de je sais moi, il y a trois ordonnances pour aller chercher au lieu de mettre tout sur une même ordonnance. Ils ont fait trois ordonnances différentes, ma foi. Donc j'irai chercher ça. Bon, même si j'ai le temps, hein, d'ici le mois de juin, autant vous dire que. Donc j'irai chercher tout ça et voilà quoi. Bon, bref. Allez, on va récupérer mon maï-maï, on rentre, on mange. Et comme ça, je continue tranquillou le montage du vlog précédent. Parce qu'on est lundi et qu'il n'est toujours pas en ligne. Normalement, il est en ligne dimanche. Et là, avec le chéri qui n'était pas là ce week-end, tout ça, l'anniversaire, etc., etc., j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout finir, etc. J'étais crevée. Donc, c'est pas grave, il sera en ligne peut-être demain matin ou ce soir, ça m'étonnerait ce soir, à moins que ça charge vite. Ça dépend, donc on verra bien. Bon, les amis, du coup, on est rendu à 13h. On vient de finir de manger avec Myron, je viens de faire la vaisselle, tout ça. Du coup, il est tranquillou, il va se mettre sur ses devoirs après. Et moi, je suis sur l'ordi, je suis en train de fignoler le montage encore du vlog. Il me reste encore un petit peu de vlog à monter. Donc il sera là je pense que demain en ligne. J'attends dans une demi-heure à peu près, j'ai un call avec une fille de mon équipe. Voilà, on va faire un petit peu le point avec elle, voir un peu en quoi je peux l'aider par rapport à la mise en place de ses objectifs du mois de mars. Donc on va se faire un petit call tranquillou, que je lui donne quelques petits tips, quelques petits conseils, tout ça. Et voilà. Je voulais essayer d'aller ramasser un petit peu les quinquins de Monsieur Phoenix. Donc, je verrai après mon call comment j'avance au niveau du vlog, tout ça. Parce qu'après, je vais récupérer Alison à 16h-10. Elle finit. Donc, voilà. Je vais essayer de tout condenser et que je puisse tout faire dans l'après-midi, quoi. Mais là, je vais me faire quelques petites notes par rapport aux questions de ma partenaire, comme ça au moins je l'aiguille un maximum sur ce qu'elle voulait. J'adore cette proximité avec elle, j'aime bien tout mettre en œuvre pour qu'elle réussisse à atteindre leurs objectifs, tout ça quoi. Bref, c'est que du kiff pour Allez, moi. Allez, il y a chez Myron qui veut venir. Ouais. On va chercher Madame Maïlis. Yeah. Du coup, il en profite pour faire de la trottinette et tout. Bonjour. Bonjour monsieur. Il fait encore trop bon à cette heure-ci, c'est un truc de fou, ça fait trop du bien. Fait trop du bien. Le chéri va pas tarder à arriver. Et il était à 4h je crois. Non, un peu avant 4h je crois. Il était arrivé à Lyon. Donc ouais. Regardez, il y a qui est arrivé. Le mec il a fait des réserves.
Il y a rien. Elle l'a entendu. Tu en étais sûr. Bah attends, tu me fatigues, toi. Non, mais c'est trop tard, hein. Moi, je prends ça. Il y a une boîte là-bas, un petit perroir, si vous voulez, pour vous. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Charlie, c'est des piments. Bon, allez. Il pique un tout petit peu, ma bébé. Il pique un petit peu. Donc, regarde. Pour voir si c'est pas trop pour toi, mais c'est relevé, quoi. Donc, ça y est, le voici de retour. Vous arrêtez votre bazar. Je vais prendre un truc comme ça, c'est dégueulasse. Il va ranger son butin. Bon, moi, du coup, j'ai fait des pâtes à la carbo pour ce soir. Les pâtes finissent de cuire. Et après, on ne tardera pas à manger. Quoique, non, quelle heure il est là? Je ne sais pas, mon téléphone. Oh, elle est trop belle, la voiture. What time is time? 18h10. Oui, elle est trop belle, la voiture. On vous fera savoir. On vous fera voir ça plus tard. Je crois que tu as dit pour une fois qu'elle est belle. N'importe quoi. Elle est très bien, ma voiture aussi. Elle nous a amené partout, à Nice, ouais, à Montpellier, tout. Bah, c'est pas qu'elle est cassée, c'est juste qu'il faut qu'on change. Tout. Le truc, mais du coup, non, bah, tu n'abuses pas. Mais il va falloir qu'on change des trucs et puis ça va être nickel. Du coup, là, on en a une autre. Bon, bref, allez. Les pâtes vont bientôt être cuitouses. Regardez. C'est ramené les petits perroirs avec des piments dedans. C'est pas un fou, ce gars. Je me moque pas. Purée, rien que l'odeur. Tu l'ouvres le truc, il t'a cramé les nazes, Audi. Bon, du coup, on vous laisse pour ce soir. Myron n'est pas allé au basket parce qu'il avait de nouveau mal à son talon. Demain, j'ai rendez-vous chez le médecin, moi, donc je lui en parlerai. Et du coup, on vous dit à demain. Hello, je vous reprends ce matin. On est lundi. Mardi. Lundi, c'était hier. On est mardi. Il est 9h15, je viens juste de finir de déjeuner. Je l'ai pris cool ce matin. Enfin, je l'ai pris cool. J'ai amené Myron à pied et tout. Parce qu'Alison commençait qu'à 10h, donc il y a sa copine qui l'a rejoint là. Ses parents l'ont déposé à 8h et puis on ira tranquillement pour 10h pour elle. Parce que elle n'allait pas faire 2h de perme. Et moi, du coup, je suis rentrée. J'ai déjeuné tranquille. Je l'ai pris cool because mauvaise période du mois. Qui a débarqué en trombe. Voilà, ça faisait 2 mois que... genre 24 jours. Je sais pas pourquoi. 24 jours, c'était mon cycle. Alors que jamais. Et là, du coup, ça a repris un cycle de 29. Donc, autant vous dire que leur arrivée est explosive. Dans tous les sens du terme, j'ai mal. J'en peux plus le ventre. Bref. Voilà quoi, la vie de femme. Je me sens épuisée. Donc, du coup, ça va être cool. Cool, cool, cool aujourd'hui. Je vais allumer Maurice. Il va... faire son job et moi je vais me caler, continuer à bosser ce que sur ma sophrologue elle m'avait donné, donc je vais continuer à bosser là-dessus. Premier jour du mois, donc je vais poser mes objectifs, etc., même pour le boulot. J'ai mis le vlog en ligne, bref, je vais tout remonter, tout. Franchement, aujourd'hui, à mon avis, ça va être très tranquille niveau vlog, parce que vraiment je n'en puisse plus. Tout à l'heure, je dois aller chez le médecin, donc ce sera la seule sortie que je vais faire. J'ai rendez-vous à 3h moins de quart. Donc voilà, juste à aller chez le médecin. Du coup, ça me donnera l'occasion de conduire la nouvelle voiture. Le chéri, il a pris l'autre pour aller bosser. Et de toute façon, il sera rentré normalement d'ici là, quoi qu'il arrive. Mais au moins, comme ça, je pourrai tester la nouvelle voiture. Sinon, à part ça, franchement, aujourd'hui, ça va être plus que tranquille. À midi, les loulous sur la cantine, donc moi, je grignoterai vite fait un truc comme ça. Et puis pour ce soir, il reste du gratin dauphinois encore. Il reste des pâtes à la carbo d'hier soir, donc on va finir les restes. Donc voilà, ce sera vraiment tranquille. Parce que là, je sens que j'ai besoin de lâcher un peu, là, de me reposer. Donc je vais m'accorder, voilà, ce jour de repos tranquille. Bref, lui, il est encore là. Tu vas encore sortir, toi? C'est ça? Tu me fatigues. Allez. Tu vas sortir ou pas? Il fait ça tout le temps. Oh, bah bravo. Ça va? Ouais, bon, ça va. J'ai pas l'air de lui avoir fait mal. Enfin, voilà. Bref, je m'occupe de tout ça. Et puis, je vous reprends un peu plus tard ou quoi. Vite fait, il est 2h15 à peu près. Je m'en vais chez le médecin. Voilà, le chéri est rentré. Il était midi et demi, une heure moins de quart, je crois. Et là, du coup, il est parti se reposer un petit peu. Ah oui, du coup, la nouvelle voiture.
Alors le bien, on a bien la place là-bas derrière. Ben voilà quoi, je vous tiens au courant quand j'en sors. Je vais parler aussi pour le talon à Myron et pour mes tendinites. Voilà, comme ça au moins on fait un petit bilan de tout ça, parce qu'en plus pour avoir rendez-vous avec lui, il faut une vie. Donc autant en profiter pour faire le tour de tout. Voilà, allez, let's go, je vous dis à tout à l'heure. Bon, allez, c'est l'heure d'aller chercher Maïlys, juste le temps de rentrer. Ok, d'accord, je te parle pas Google. Du coup, j'ai voilà, juste le temps de sortir. Il y a ma titine là-bas derrière. D'appeler pour plein de rendez-vous. Myron, il doit faire une écho, une radio au niveau du pied pour son talon. Moi, je dois faire une radio et une écho au niveau du poignet pour voir que ce soit bien. Une tendinite, pas autre chose et tout. Il me dit, mais bon, avec la fibro, les tendinites, c'est cadeau, quoi. Je dois faire une EMG, ou je sais pas quoi, EMG, je crois, oui, aussi. Donc là, je dois appeler à 18h. Et je dois faire une écho, un IRM cérébral pour ensuite, une fois que j'ai ça, aller prendre rendez-vous chez le neurologue. Ouais. Bon, écoutez, avec tout ça, ça va être un peu blindé de rendez-vous. Hein, ça, plus l'IRM au niveau endométriose et adénomiose, tout ça là, bref. C'est génial. Je déteste ce genre de truc. C'est top. L'autre, il part de l'autre côté. Bref, donc ben là, je suis en train d'appeler pour tout ça, sachant que l'IRM pour l'adénomiose, c'est juin, je crois. Là, l'IRM cérébral, c'est fin mai. Et nous, avec Myron, on a de la chance. On a eu les radios la semaine prochaine. Par contre, les échos, c'est mois d'avril. Pour avoir des rendez-vous, c'est un truc de fou. Il ne faut pas souffrir de quelque chose de grave, moi, je vous le dis. Mais voilà, en même temps, c'est comme ça. Donc, on a pris, enfin, j'ai pris le maximum de rendez-vous. Là, l'EMG, j'attends. Ils m'ont dit de rappeler à 18h. Donc, je vais mettre un rappel sur le téléphone parce que je vais faire autre chose à 18h et je vais oublier. Et voilà. Et voilà, voilà. Ce sera déjà bien. Il m'a parlé d'un autre examen. Il me dit, vous avez fait un machin et tout par rapport à mon bras là où que j'ai mal aussi. Tout, j'ai dit, ah non. J'ai dit, j'ai jamais rien fait de toute façon. Donc, il me dit, bon, ben, on verra la prochaine fois. Il me dit, parce que je pense que vous avez déjà pas mal de trucs à faire. C'est quoi? Oh, c'est des trucs. Et non, ouais, non, ouais, c'est... Non, ouais, non, non, c'est rien. C'est rien, attends, c'est de la paperasse. T'arrives? Non, il n'arrive pas. Si, il y arrive. On va y arriver. Voilà. Bon, bref, ouais, donc du coup, ouais, fais attention de ne pas te casser autre chose, hein, c'est bon. Déjà, le talon, c'est. Le talon qui part en cacahuète, c'est déjà pas mal. Bref, on récupère Maïlys. Pas besoin de faire les devoirs. T'as fait tes devoirs, toi, d'ailleurs? Ben, dès que tu rentres, tu goûtes et hop, hop, hop. Hein. Donc voilà. Les amis, je vous reprends ce matin de ma salle de bain. Un petit peu la tête dans le pâté. Je viens vraiment juste de me réveiller. Les loulous sont en train de s'habiller, tout ça, tout ça. Je voulais, moi, vous faire un petit point parce que j'ai eu des demandes par rapport à ce que j'avais testé. Vous savez, deux déos différents du coup de la boutique. Au début, j'étais sur le petit prodige comme ceci, fleur de coton, que j'aimais énormément d'amour. Et vu que je suis quand même une testeuse, j'aime bien tester et me faire mon propre avis sur plusieurs choses pour pouvoir vous en faire un meilleur retour possible de ce que moi j'ai pensé, bien évidemment. J'avais testé le Belle et Anna, celui-ci, fleur de cerisier. Ouais, c'est ça, je crois. Cherry Blossom, ça doit être ça. Et du coup, il y en a plusieurs qui m'ont dit, alors, t'en penses quoi? Est-ce qu'il est mieux, etc. Alors, non, je ne pense pas qu'il soit mieux. Je reste mon gros coup de cœur sur celui des petits prodiges. Pourquoi? Parce que déjà, la tête là est vachement large. Donc moi encore, ça va. Mais pour les personnes qui sont un peu plus fines, je pense que ça va gêner un peu. Alors certes, la texture est un petit peu plus facile à fondre, je trouve. Mais en sachant que celui-ci, on peut l'humidifier un petit peu pour aider justement à faire fondre la texture. Il n'y a pas cet effet granuleux sur celui-ci comme il y a sur l'autre, un peu poudré. Et moi, j'aimais bien cet effet un peu poudré, justement. Bref. Mais c'est surtout qu'au niveau odeur, il ne me correspond pas du tout. Dès que je bouge un tout petit peu, que je fais un peu de ménage ou machin, je pue le mort. Voilà. C'est dit, c'est clair, c'est net. Alors qu'avec celui-ci, quand je transpirais, c'est l'odeur du déo en lui-même qui ressortait. Et le soir, je pouvais me sentir sous les aisselles. Je ne sentais pas la transpiration, je sentais toujours le déo. Et avec celui-ci, pas du tout. Donc voilà, ça pose un gros souci pour moi quand même,
pour un déo. Certaines l'adorent. Ont pas ce souci, mais en tout cas pour moi personnellement, vraiment ça le fait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, testez, parce que c'est vrai que d'une personne à une autre, ça peut changer, voilà, selon les transpirations, je pense, etc. Mais en tout cas, ouais, celui-là, moi, ça reste un gros, gros, gros coup de cœur et je pense que je repartirai sur celui-ci. Mais peut-être avant de repartir sur celui-ci, je testerai les déo billes de la nouvelle marque qui est sur la boutique, vous savez, le Dr Oshka. Parce que c'est sympa, je trouve les DOB aussi. Et je me dis, avec un peu de chance, c'est du très clean niveau compo aussi. Avec un peu de chance, peut-être je ne sentirai pas le mort. Voilà, donc je pense que je testerai celui-ci. Et puis, si ça ne fait pas, je repartirai sur celui-ci. Parce que vraiment, lui, ça a été un gros, gros coup de cœur. Même là, ça sent encore, quoi, le truc. Franchement, j'aime trop cette odeur. Il y a bergamote citron qui me fait de l'œil aussi. Mais est-ce que je vais aimer bergamote? Faudra que je teste, voilà. Donc j'en ai peut-être deux à tester avant de repartir sur celui-ci et je verrai bien, mais ouais, en tout cas celui-ci ne m'a pas convenu. Je le finis, hein. Je le finis bien évidemment, mais je le finis, c'est comme si je pisse dans un violon, parce que si je m'active un peu trop, je sens le chacal. Voilà pour ce petit point. Donc du coup, je vais descendre de la salle, dire soir des loulous, je vais ranger ça. Et puis voilà, Maïlys va rester en pyjama parce que c'est juste pour aller amener Charlie qu'elle vient avec moi, vu qu'il n'y a pas le chéri qui est au boulot. Donc voilà quoi, les loulous se préparent, déjeuner, tout ça, puis let's go, on va y aller. Il est 10h15. Elle a pris des gâteaux apéro. Je lui ai pris un reste de curly, bouteille d'eau, la trottinette. Ça t'a tapé dans le pied, alors lâche-la, je vais le faire moi. Donc, je vous disais que nous allions au skatepark. J'ai dit où on va au parc ou au skatepark. Elle m'a dit au skatepark. Donc, let's go, on va au skatepark. Il est 10h15, midi et quart bien sûr. Il est 10h15 et du coup, je me suis dit on a deux petites heures avant que les loulous rentrent. Et avec un peu de chance, on les récupère en même temps, comme ça au moins on reste par là-bas. Cet après-midi, il y a ma maman et Robert qui viennent, parce qu'ils ne sont pas venus dimanche. Là, j'ai fait tout mon aspirateur. En bas, en haut, j'ai fait la cage du lapin, la cage du furet, la cage du chien, comme tous les jours. De quoi, mon cœur ? Tu leur as dit que mon doigt, ça va beaucoup mieux. Oui, ça y est, Maïlys, elle est guérie de son entorse, évidemment. Évidemment. Elle a fait sport et tout à l'école, elle était contente. Ah, bah oui, hein, c'est ça de reprendre le sport, madame. Enfin bref, voilà. Du coup, on a décidé d'aller faire un petit tour. Ça va nous faire marcher un petit peu, surtout pour moi. Et non, il fait pas froid là. Oh, mytho. Tu vois, quand tu vas faire de la trottinette, comme tu vas avoir chaud. Bon, il est presque 10h30. Nous sommes rentrés. Maïlys s'est remis sur son petit jeu. Et voilà, après les manger, il faut qu'on fasse des devoirs aussi, mon amour, avant que mamie elle arrive. Et voilà, moi je vais monter un petit peu ce vlog, le début là, histoire de pas trop traîner, parce qu'on est quand même déjà mercredi, il est censé être en ligne demain. Donc il faudrait peut-être que je m'active. On a mis un film, et puis on va attendre tranquillou que les autres arrivent. Ah non, il est 11h20. J'ai dit 10h20, non ? Je sais plus. Bref, il est 11h20. Donc il est 11h20, on est parti une petite heure à peu près. Donc voilà, on va regarder le petit film tranquille, faire ça en même temps, et on va attendre que les autres arrivent. J'ai mis mon orchidée dans son petit bain, parce que je voyais que les feuilles avaient commencé un petit peu à être un peu flagada. Donc je lui ai fait prendre un petit bain d'eau tiède, voilà, pendant une bonne dizaine de minutes, je vais la laisser. Et après je la remettrai à sa place. Allez, je me mets sur le vlog. J'ai eu deux commandes clientes hier, donc j'étais ravie, j'étais très contente. Il y a une troisième personne qui m'a contactée aussi pour des renseignements pour ses cheveux, parce qu'elle perd énormément ses cheveux depuis sa grossesse, il y a quelques mois. Donc je l'ai conseillé là-dessus aussi, sachant que voilà, j'essaie un maximum de m'adapter avec les produits donc que je sais que ça fonctionne. Voilà, j'essaie de m'adapter aussi au niveau prix, hein, selon les moyens, tout ça. Donc on a trouvé ce qui lui convenait.
On verra maintenant si elle valide son petit panier ou pas. Ça avance tranquillement, ce petit début de mois, tranquille. Moi aussi, il faudra que je me commande quelques petits trucs. Il me faut du shampoing d'avance, puisque je viens d'utiliser le dernier. Enfin, je viens de remplir ma bouteille avec la recharge. Je me suis lavé les cheveux ce matin, d'ailleurs, en parlant de ça. Et je ne les avais pas lavés depuis samedi. Et franchement, ils n'étaient même pas gras de fou. Donc, ça fait tellement plaisir de ne pas avoir les cheveux en mode huile de friture, là. Ça me change la vie. Moi, franchement, cette routine capillaire, là, elle me change vraiment la vie. En plus, le tube me fait presque 2 mois, je crois. Parce que la recharge, là, je l'avais pas. Si, peut-être que celle-là, je l'avais pris là, ce mois-ci. Et comme j'ai dit à Alison de s'en servir, du coup, il me dure un petit peu moins que d'habitude. Mais j'en ai pour un mois et demi à peu près. Et encore, je suis sûre que j'en mets trop parce que le deuxième shampoing, il mousse de fou. Donc, il faudrait que j'en mette moins sur le second shampoing. Ah oui, il faut que je regarde aussi le planning, voir si on a une formation. Je crois qu'on a une formation ce soir. Donc, voilà. Voilà pour les news. Hello, les coupinous, vous allez bien? Comment ça a parlé? J'avais même pas appuyé sur le truc. J'en peux plus. J'ai comme le chien. Allez, t'es à fond. Et coucou. Ah, je dis, attends, j'ai pas encore appuyé. Détends-toi, la vieille. Bon, du coup, il y a les vieux qui sont là. Le petit homme qui se réveille de sa petite sieste. Alison qui est là. Le vieux là-bas avec les loulous. Et ce que vous entendez, c'est le Cookéo qui dépressurise parce que la marmite espagnole pour ce soir est prête. Il est 4h15. On est opérationnel. Comme ça, après, j'ai plus qu'à doucher Maïlis, lui laver la tête et tout. Voilà, on est tranquille. Et ça aussi, ça doit jouer le fait qu'on dorme plus la nuit. Parce que mine de rien, depuis que tu retravailles, on se couche hyper bonheur, même moi. Donc ça doit jouer aussi sur la perte de poids, d'avoir un meilleur sommeil, enfin plus de temps. Je le dis, hein, il faut avoir un bon sommeil. Hein. Ben, moi, je risque pas de maigrir alors. Donc du coup, on a fait un petit goûter. Enfin, un petit goûter. Je prends un cappuccino avec 5 spéculoos. Vous avez déjà en âge plus. Ah, j'ai goûté. Ben oui, mais... Gâteau noir, il était bon. Sec, mais bon. Oui. Ah ben moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, j'ai trempé dans mon café. Enfin, dans mon thé. C'est ça. Ah, ça me gratte, ça me gratte. Moi, du coup, on est tranquille. En plus, Charlotte travaille pas ce soir. Je sais pas quand est-ce qu'elle va reprendre, le mercredi et le jeudi soir. J'ai pas hâte. C'est bien. Mais bon, ça va reprendre quand il va avoir la pleine saison. Ah, pas pareil non plus. Oui. Mais voilà, ça, c'est bien. C'est bien, moi, le soir, jusqu'à aller tranquille, le bonheur. Je me suis piqué, je crois que ça me gratte. Vous avez vu? Je vous ai pas fait voir le bouquet de fleurs. Je vous ai fait voir sur Insta, mais je vous ai pas fait voir. Charlie, hier, elle a eu envie de pizza. Ça lui a pété d'un seul coup comme ça, quand elle est revenue d'Avignon. Donc, elle est partie chercher les pizzas à Netto, et elle est revenue avec un bouquet pour moi. Il n'est pas trop mignon. C'est trop mignon. Elle m'a dit, je t'ai trouvé trop belle. Merci. C'est mignon. Voilà. Donc, j'ai eu des fleurs. C'est pas beau, ça? Du coup, on va en profiter pour clôturer le vlog. Comme ça, au moins, j'aurai. Ah oui, ce soir il faut que je fasse le montage d'ailleurs. Je sais pas si j'ai pas une formation avec Florie ce soir aussi. Donc, ah oui, c'est vrai, on l'avait oublié. On peut lui rouvrir. Donc, bah oui, je pense que j'ai une formation ce soir. Faut que je re-regarde, mais je pense. Donc, du coup, quand on aura pris la douche de Maïlis et tout, bah, jusqu'à manger, je vais me mettre sur le vlog. Comme ça, moi, ça m'avancera. Et après, le soir, je fais ma formation tranquille. Voilà. Je peux même la faire jeudi, au pire des cas. Donc, c'est perfect. Voilà. Bref, on vous fait du coup des gros bisous. On vous retrouve, moi, demain devant la caméra, vous, dimanche. Et voilà. Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine. Et voilà. Bonne fin de semaine. Juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.